Une décennie s'achève, laissant ainsi place à l'année 2020. Qu'il soit émouvant, joyeux ou profondément choquant, de nombreux événements auront marqué les esprits lors de ces 10 ans. Notre équipe est allée à la rencontre des Iconets au marché couvert de la ville d'Auxerre afin de recueillir leurs impressions quant aux moments qui les auront marqués entre 2010 et 2019. J'ai une liste de 10 moments qui ont marqué la dernière décennie. Quel est le moment qui vous a le plus marqué pour vous ? Le tremblement de terre à Haïti. Parce que c'est déjà des pauvres gens et je sais pas, ils sont toujours aussi. C'est toujours dans la misère. Le puissant tremblement de terre de magnitude 7 sur l'échelle de Richter, qui a frappé Haïti le 12 janvier 2010, a ravagé la capitale, rayant de la carte une partie de la ville et provoquant des dizaines de milliers de morts. Alors ça serait le mariage pour tous, je pense que c'est une avancée qui est importante dans notre société. Et voilà, c'est bien qu'on y soit arrivé en France et c'est dommage que ça ne soit pas le cas partout ailleurs. Voilà. Je ne vais pas faire comme tout le monde, je vais faire l'original moi. Johnny Hallyday. Parce que c'est mon idole quand j'étais jeune. L'incendie de Notre-Dame, parce que c'est vraiment un patrimoine français et voilà, je trouve que c'est malheureux quoi. Et la vitesse surtout à laquelle ça a été détruit quoi. Voilà. Les attentats de Charlie bien sûr là qui vient dans la suite. J'ai des amis qui travaillent beaucoup dans la attachée de presse au niveau des bandes dessinées. Et son mari, lui, étant à la DGSI, ils étaient tous les deux mortifiés, lui, de ne pas avoir su... c'était pas son marché à l'époque, mais ils étaient tous les deux terrorisés du fait qu'ils auraient peut-être pu éviter ça. Allez, la France championne du monde de football, pour être dans les réjouissances quand même. Hein. Ça, c'est quelque chose qui nous met du baume au cœur. Heureusement qu'il y a des événements comme ça. Et ça, s'il y en avait plus, ce serait encore mieux. Voilà. Pour la deuxième fois de son histoire, la France est championne du monde de football. Menée par Didier Deschamps, capitaine lors de la précédente victoire de 98, les Bleus soulèvent la coupe le 15 juillet 2018 en remportant le match face à la Croatie. Peut-être les gilets jaunes quand même, ça prouve un petit peu un malaise général des Français, de la pauvreté qui augmente et tout ça. Donc je pense que ça c'est touchant aussi, ouais. Le tsunami, peut-être. Les pertes humaines. Voilà, enfin, il y a juste à regarder les images et puis je pense qu'on comprend tout, quoi. Oui. Malheureusement. Le 11 mars 2011, un violent séisme provoque un tsunami qui frappe les côtes japonaises, coupe l'alimentation électrique et endommage les réacteurs nucléaires de la centrale de Fukushima Daiichi. Des zones entières d'habitation ainsi que les écosystèmes forestiers et marins alentour sont contaminés par la radioactivité et évacués par les habitants. La crise des réfugiés, on a vu pas mal d'images assez fortes et moi je travaille un petit peu là-dedans et du coup c'est vrai que ça a été un moment assez fort dans les relations européennes pour la crise des réfugiés. Il y a eu pas mal de décisions qui ont été prises en 2015 et après coup qui ont, mis en forme l'Europe telle qu'elle est actuellement. Donc je pense que c'était aussi un moment assez qui a défini maintenant la situation actuelle. Attends, Bataclan, c'est quand même dangereux maintenant hein, de se promener et d'aller au spectacle. Ça peut être dangereux. C'est surtout ça. Hein. La mort de Johnny. Oui, parce que j'ai perdu mon petit frère 2 jours après. Les gilets jaunes qui nous ont marqués aussi parce que ça a été quand même un genre de petite révolution hein, du jour au lendemain que le monde est sorti sur la route. Hein. C'est vrai que du jour au lendemain, quand on a vu la foule, tout le monde est sorti comme ça. C'était impressionnant aussi. Hein. Une nouvelle décennie commence. Nul doute que celle-ci sera riche en rebondissements.